j'arrête de parler et je passe la parole à nos animateurs et merci encore beaucoup pour ce voyage que vous nous proposez. Merci. Merci. Alors, petit test de son, ça va, vous entendez au fond, partout, à droite, à gauche. À droite, à gauche. On vous entend bien ? Oui. Alors oui, il a déjà mis beaucoup de poésie, donc vous, il y en aura peut-être un peu moins ce soir. Alors, en effet, vous allez voir un petit peu de magie, un petit peu de mentalisme, quelques expériences. Rassurez-vous, après on reste avec vous. Donc on pourra parler ou de ça, ou de mentalisme et de magie. On s'amusera encore ensemble. En attendant, voilà ce qui nous attend ici ce soir. Initiation BMO, initiation à la maîtrise des processus décisionnels, des neurosciences et des sciences cognitives à la compréhension des processus décisionnels. Oh, ouf. C'est bon, on s'arrête là. Non, en fait, on va juste parler de comment on prend une décision, comment vous prenez une décision, comment vos employés prennent une décision, vos clients prennent une décision. Bref, on va parler de tout ça, mais avant, j'aimerais vous poser une question. C'est quoi pour vous un entrepreneur? Dans sa plus simple limite, là, dans l'ADN de l'entrepreneur, c'est quoi pour vous? Alors oui, c'est une conférence interactive. Vous pouvez nous interrompre, nous poser des questions, vous n'hésitez pas à nous interrompre d'ailleurs, hein, on est là, mais on continue avec vous pour que voilà, ça se passe comme ça. Jeff n'est pas un DVD. Je ne suis pas un YouTube DVD, d'ailleurs bonjour à ceux de YouTube qui vous regardent. Vas-y, dis-moi. Allez, le président Jeff, c'est quelqu'un qui prend des décisions à longueur de journée. À longueur de journée. À longueur de journée, exactement. Oui, mais... Exactement. C'est quelqu'un qui prend des décisions en permanence, mais c'est surtout, quelqu'un qui est dans l'action permanente. Hein, on en parlait avec certains d'entre vous tout à l'heure. Il faut être dans l'action permanente et permanente et permanente. Itérer les choses au quotidien et passer rapidement à l'action. Avec certains d'entre vous, je parlais que, je ne sais pas où vous en êtes, hein, certaines sont dans la création, d'autres plus avancées. En fait, nous, chaque fois qu'on accompagne des gens dans l'entrepreneuriat, ben on leur dit, il faut que vous ayez un projet une journée. C'est-à-dire que le projet que vous avez, là, tous autant que vous êtes, je suis sûr que vous pouvez le sortir en une journée. Pourquoi il y a des gens qui vont passer 6 mois, 1 an. On m'a accompagné beaucoup de hauts cadres qui quittaient, qui avaient un congé formation, moi, en chômage pendant 18 mois. Alors, ils passaient 6 mois à se former, 6 mois à réseauter, 6 mois à « je lance mon truc, machin, je ne sais pas trop comment », puis après, ils retournaient prendre un poste en disant « c'est dur, on trouve. » Parce qu'on n'est pas dans l'action. Ça peut être dans l'action permanente. Pour vous illustrer ça, on fait juste un petit schéma ici. Alors, on n'est pas là pour, encore une fois, vous expliquer ce qu'on va faire, vous donner des leçons, vous donner des pistes de réflexion. Pour vous montrer comment c'est important l'action dans notre métier, et derrière, on reviendra à ce que tu as dit, c'est-à-dire à quel point, derrière l'action, il y a quoi? Il y a des décisions. Ça, c'est pas bon. Alors, imaginez. Ça, c'est une jolie courbe. Alors ici, vous avez Madame X. Madame X, elle est entrepreneur, souvent profil haut cadre dirigeant, qui a quitté, qui en avait marre, qui trouvait plus de sens dans sa vie, etc. Donc elle se dit, je vais quitter ça, je vais partir dans l'entrepreneuriat. Madame X, c'est une femme qui prend des décisions très posées. Quoi. Chaque fois qu'elle prend une décision, elle a 9 chances sur 10 d'avoir raison. 9 chances sur 10. Par contre, quand elle prend une décision, ça lui prend une semaine à poser son truc, dans le meilleur des cas. Mais elle a une décision. Donc, quand elle pose un truc, elle, ça fait ça quoi? Vous voyez, une petite semaine. Hop, elle itère son truc, une petite semaine. Donc, son profil entrepreneurial, c'est un petit peu ça. Et puis, de l'autre côté, vous avez Madame Y. Alors, Madame Y, elle, profil un petit peu fonceuse. Plus rare chez les femmes dans l'entrepreneuriat. Il y a marqué. Vous êtes souvent surdiplômés, surqualifiés. Les mecs sont toujours un peu inconscients. C'est pour ça que souvent ils réussissent mieux dans l'entrepreneuriat. De toute façon, je ne dis pas que vous êtes des mauvaises entrepreneuses, bien au contraire. Les mecs sont un petit peu plus inconscients. Et donc là, vous avez Madame Y. Alors Madame Y, elle est là, un petit peu plus bas peut-être. Puis elle, chaque fois qu'elle prend une décision, elle a 1 chance sur 10 d'avoir raison. 1 chance sur 10, pas beaucoup. Hein. Par contre, elle prend sa décision. En une demi-journée. Et toutes ces décisions, même les plus importantes. Donc elle, ça donne quoi quand elle itère? Ça donne ça. Puis elle a un apprentissage très très rapide.
C'est qui gagne le plus rapidement votre famille? C'est Madame Grec. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que prendre une semaine pour décider ou passer à l'action très très rapidement, itérer les choses très très rapidement, les choses qu'il vous enseigne dans ce parcours, toutes les choses que vous savez, ben, cette prise de décision, quand on sait comment ça se passe à l'intérieur, on est capable de se dire, tiens, qu'est-ce qui fait que moi je ne passe pas à l'action ici, que ça me met une semaine pour éclairer un truc, alors que je sais qu'il faut que je le mette en place tout de suite. Qu'est-ce qui fait qu'au contraire, elle passe à l'action? Qu'est-ce qui fait que mon client achète? Qu'est-ce qui fait qu'il n'achète pas? Qu'est-ce qui fait que cet employé, lui, il a un comportement que je voudrais voir disparaître, alors que tel autre, il a un comportement ben, qui est top, qui est génial, que je voudrais voir perdurer, voir s'étendre. Ben, ça se passe là-dedans, ça se passe au niveau des processus décisionnels, et on y va maintenant. À la fin de cette initiation, parce que ça, c'est une initiation, on ne va pas vraiment vous apprendre à utiliser ce qu'on va voir aujourd'hui, on va vous sensibiliser à tout ça. À la fin de cette initiation, vous saurez comment ça se passe à l'intérieur, et souvent on présente ça, une fois que vous savez utiliser ce qu'on va vous montrer, comme un cockpit d'avion. Vous êtes le pilote, et puis là, vous avez devant vous, d'un côté, toutes les mauvaises choses que vous voulez voir disparaître, les mauvais comportements, les gens qui ne passent pas à l'action, qui fuient, etc. Puis de l'autre, vous avez tout ce que vous aimeriez voir. Vous aimeriez l'engagement. Ben vous, tout ce que vous avez à faire, c'est être là dans votre cockpit et vous saurez exactement sur quel interrupteur il faut allumer, quel interrupteur il faut éteindre pour mettre la flèche du bon côté. Et une fois que la flèche est du bon côté, on a la poussée moteur pour pousser cet engagement ou au contraire voir disparaître les choses qu'on veut voir disparaître. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et ça, quelles que soient les prises de décision, que ce soit une décision qui prenne 3 jours, une demi-journée, une heure, ou même parfois quelques minutes. Ou les plus importantes. Je précise un truc sale, quand même. Ça, c'est vrai que si vous n'avez rien à perdre. Dans le sens, une entreprise qui a déjà 20 ans d'existence, qui va envoyer investir des millions, ça marche pas. C'est le seul cas. Allons-y, mon cher. Alors, bien entendu, on va vous présenter aujourd'hui, c'est ça. Voilà, on va présenter un petit peu ce modèle. Donc, le modèle BMO, le modèle de négociation décisionnelle, les processus, influence et maîtrise décisionnelle, a été développé par Guillaume Mathias. Alors, vous pouvez bien entendu utiliser tout ce qu'on va vous dire si vous avez envie de reprendre des idées, de reprendre des choses. Même si vous avez envie de récupérer des slides, il ne faut surtout pas hésiter. Par contre, ce qu'on vous demande, c'est juste de nous en informer, de nous contacter avant. Pourquoi? Parce qu'on a vu plusieurs fois des slides, des idées un petit peu récupérées qui sont sorties du contexte et du coup ça devient complètement faux. En tout cas, c'est complètement dévoyé. Donc si vous avez souhaité utiliser certaines parties pour partager avec d'autres personnes, vous nous contactez, on en discute, on comprend, c'est avec plaisir. Juste nous contacter avant pour bien vérifier que ce soit bien dans ce cadre-là. Donc c'est un modèle qui est protégé dans plus de 160 pays. Et donc, quand vous l'avez dit, bien entendu, nous contacter avant. On va se présenter. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Ça, c'est quoi? BMO, c'est Brain Modus Operandi. C'est comment votre cerveau fonctionne. Là, ce qu'on va vous montrer, c'est les dernières avancées. C'est le pont entre les neurosciences et les sciences cognitives. Les sciences cognitives, c'est le flux de tout ce que vous avez dans le cerveau. Les neurosciences, c'est ce qui supporte ce flux. En gros, les sciences cognitives, c'est... Voilà, les sciences cognitives, ce serait par exemple Internet. L'information que vous recevez. Et la structure sur laquelle vous recevez Internet, ben, c'est la fibre, le 56K, ou bien c'est ça, la DSL. Ce qui va supporter Internet. Et jusqu'aujourd'hui, ben, on ne savait pas. Et là, on va vous présenter ça de manière très concrète, justement. Alors oui, pourquoi nous écouter? Alors lui, là, lui c'est Seb. Alors Seb, il est magicien. Il est membre de l'équipe de France de magie, consultant dans le niveau artistique, etc. Il a aussi un autre truc, c'est qu'il est storyteller. Donc il écrit des histoires, des belles histoires. Vous savez à quel point, tout à l'heure, tu nous parlais des histoires et des émotions. Ben oui, en effet, réconcilier les deux, ça passe par le storytelling, et ça, c'est son travail. Et puis, bien entendu, ben, il est conférencier. On va essayer d'allier dans nos conférences magie, mentalisme. On va faire des petits numéros ensemble, on va s'amuser. On va expérimenter des choses, et puis bah, le savoir qui est là. Et lui, c'est Jeff. Bien, moi. Je me suis habillé pareil pour pas vous... pour pas me perturber, une cohérence. Alors, Jeff, lui, il est artiste copywriter. Alors, copywriter, c'est quelqu'un qui écrit
de façon persuasive pour booster un petit peu à la fois les ventes et l'activité des clients, et pour différents clients, que ce soit du mailing quotidien ou bien sur des campagnes, des pages de vente, etc. Il est également mentaliste, donc il connaît bien toute la partie, le meilleur jour du cerveau. Il a vraiment expérimenté ça de façon empirique, et puis maintenant, aujourd'hui, il a compris un petit peu les processus qu'il y avait derrière, on reviendra dessus tout à l'heure. Il est également conférencier. Et il fait partie des 5 ou 6 formateurs BMO en France aujourd'hui. Donc ça, à pouvoir développer cette initiation. Alors cette initiation, encore une fois, voilà, bon, j'espère que ça va vraiment vous sensibiliser, parce que jusqu'à présent, on l'a réservé vraiment à une élite. Quand j'appelle une élite, ça veut dire qu'on a accompagné des grandes boîtes, on a coaché des patrons du CAC 40, machin, etc., sur ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc c'est vraiment quelque chose de très particulier. On ne va pas encore une fois vous apprendre à l'utiliser, mais à y être initié. Mais quelle est la différence entre le storytelling et le copywriting? Alors en fait, le storytelling, c'est une partie du copywriting. Mais lui, il est vraiment expert dans la manière de raconter les histoires. Moi, ça va être vraiment dans la totalité de tout ce qu'on va rédiger. Donc Jeff utilise aussi le storytelling, mais il a aussi plein d'autres choses. Moi, je suis vraiment spécialisé là-dessus. Alors, c'est parti. Première décision, prenons-nous par jour? Des centaines. Des centaines. Qui dit mieux? Des milliers. Des milliers. Qui dit mieux? Des millions. Des millions. Des millions. Des millions. Aujourd'hui, vous avez eu, là, si on prend la journée d'aujourd'hui, vous avez eu l'impression, le sentiment d'avoir pris combien de décisions? Mais je ne sais pas. 60 000. 60 000. Ah, alors la réponse? En moyenne. Voilà, d'après une étude de Lightspeed Research en 2017, sur 10 pays européens, c'est 35 000 décisions par jour. Il y a des jours où on en prend beaucoup plus, puis il y a des jours où on en prend moins. C'est une bonne. Alors, donc à partir de là, mais qu'est-ce que c'est qu'une décision, finalement? Alors, c'est quoi une décision? Alors, en fait, il faut bien préciser, donc nous sommes comme vivants doués de facultés de mouvement, et nous avons l'obligation pour survivre de nous adapter à un monde en perpétuel changement. On doit s'adapter à notre environnement. Vu qu'on s'adapte à notre environnement, qu'on doit évoluer, qu'on doit changer, c'est ce qu'a fait dire Daniel Wolper, le cerveau est l'organe du mouvement. C'est le cerveau qui nous met en action. C'est vachement réducteur quand on y pense. Ça paraît réducteur. Le cerveau, c'est que pour le mouvement. Alors, il prend l'exemple, Daniel Wolper prend l'exemple du Tunisier, qui est un animal un petit peu particulier. Il passe la moitié de sa vie à chercher un lieu où se poser, chercher sa maison, son endroit, l'endroit où il va être bien. Il passe la moitié de sa vie à ça, et du moment où il a trouvé l'endroit où il va se poser, il se pose, et la première chose qu'il fait, c'est qu'il se débarrasse de son cerveau. Il n'en a plus besoin. Plus de mouvement, plus de cerveau. Donc, en effet, quand tu disais à un entrepreneur, il passe son temps à prendre des décisions, à s'adapter à son environnement, alors, il utilise ce qui se passe là-dedans pour mettre en mouvement. Donc, une décision, c'est quoi la définition? C'est une stratégie adaptative à votre environnement. Et comme l'environnement change, eh bien, on s'adapte en permanence. C'est tout. Donc là, on va vous faire prendre une décision. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui sont en train de se poser, ils sont en train de poser leur cerveau. Là. Donc on va commencer à jouer. Donc on va prendre une décision qui va impliquer une personne, mais qui va impliquer tout le monde. On choisit qui? Peut-être par là. Ceux du fond qui se sont cachés. Ouais. Bonjour madame, au revoir. Oui, vous pouvez venir jusqu'à moi s'il vous plaît. Vous n'allez pas les jusqu'ici. Vas-y, alors, on va essayer de faire prendre une décision. Ton prénom? Karim, enchanté. Très bien, ça va. Voilà, exactement comme ça. Tu vas avoir 99 chances sur 100 de prendre la mauvaise décision et une chance sur 100 de prendre la bonne. Hein, on rajoute un peu de pression. Moi j'ai envie de parce que justement, moi, justement, une chance sur 100, il y a un petit peu de pression, mais en même temps, Karim, c'est ça? Karim, si tu te trompes, ouais, t'as pas changé. Donc du coup, si tu te trompes, bon, c'est pas très grave, c'est juste que bah, tu seras trompé. Et puis... Donc on va mettre une petite pression supplémentaire, si tu veux bien, Jeff. Je vais mettre une grosse pression sur Karim quand même. Karim, si tu trouves la bonne réponse, si je choisis bon, une chance sur 100, du coup on continue la conférence. Par contre, si tu tombes sur l'un des 99 choix possibles,
c'est pas compliqué, on prend tout, on débranche, on ferme l'ordinateur, voilà, on s'en va. Il n'y a pas de pot d'accueil. Et puis voilà. Okay, et ça va, c'est Christophe qui fait la question. Alors, t'arrives, tu regardes. D'abord, j'ai besoin que tu t'observes un petit peu. Pense à un chiffre entre 1 et 10. Tu l'as ? C'est quoi 7 ? Dis-le à voix haute. 5, comme ça. 3, 2, c'est ça ? Ok. Ça commence maintenant. Je vais te poser une question dans un instant, puis je vais te demander de répondre le plus rapidement possible. C'est un petit peu comme une intuition. Une intuition, chez certaines personnes, c'est comme une petite voix qui passe à l'intérieur. On ne sait pas pourquoi elle passe, mais on la suit. Une intuition, chez d'autres personnes, ça va être comme un ressenti. C'est boum. Et là, boum, je le suis, je ne sais pas pourquoi je le suis, mais je le suis. Et chez d'autres personnes, une intuition, tu vois, avec quelqu'un comme moi qui est très visuel, ça va être comme une image qui va arriver. Boum, j'ai cette image qui est là, et tac, je la suis. Donc tu vas répondre à cette question le plus rapidement possible, à voix haute. D'accord ? À voix haute, très très vite, comme une intuition. La question est super simple, en fait. Donnez-nous vraiment rapidement à voix haute, hein. Un nombre entre 1 et 100. Vite, 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 5. Alors, dans le sud, c'est 51. alors, c'est ça de mon grand-père. Quand j'étais tout petit, j'allais chez lui tous les week-ends. Le samedi soir, on faisait le Disney Channel. Et puis, le dimanche matin, il faisait un petit exercice. Il me disait, mon petit, si tu trouves la petite monnaie que j'ai là, tu la prends, tu vas t'acheter des bonbons. Oh, décision très difficile. Alors, au début, j'ai essayé de deviner. Puis après, j'ai compris que dans la communication, le plus important, c'est pas l'argumentaire, c'est pas la raison, c'est pas ce qu'on dit, c'est tout ce qu'il y a autour. Je me rendais compte qu'il m'avait envoyé des messages comme ça, inconscient. Et là, je vais acheter des bonbons. Ça va devenir intime, je vais faire ça avec un homme. Tu peux prendre la petite monnaie que j'ai dans la poche. Si, si, non. Tu as dit combien de 5, hein, c'est ça? Il n'y a plus rien. Hein. Combien dans ma poche 2, 3, 4, 5. Merci, bon. Karine. Merci. Et oui, les décisions, est-ce qu'elles sont conscientes, est-ce qu'elles sont inconscientes, je ne sais pas, mais on va revenir sur ce qui s'est passé là. Du coup, on continue. Tout à l'heure, on continue. Et ouais, tu as dit ça au hasard. Tu n'as pas réfléchi pour ça. Peut-être que si je t'avais laissé réfléchir, tu n'aurais pas dit ça. C'est ce qu'on va voir. Allez, next. Ah, voilà. Alors, tout ce qu'on savait jusqu'à aujourd'hui, tout ce que vous avez appris, tous, sur le management, le marketing, les études de marché, et tous ces trucs qu'on vous a appris là, tout est basé sur ce qu'on appelle des approches empiriques. Vous savez ce qu'est une approche empirique? Oui, non, c'est pas grave, on va vous expliquer. alors, imaginez. Machine. Je viens de ton prénom déjà. Marvin. Je vais vers Marvin, comme ça. Puis, bah, je mets une grosse claque. Parce que Marvin, il se lève, bah, il me met une grosse claque. Donc là, je viens de faire du test handler. J'ai appris que quand je mettais une claque à quelqu'un, bah, il m'en mettait une en retour. Et c'est. Et donc là, je viens de créer. Pardon. Une hypothèse. Quand je mets une claque avec les deux, ils m'en mettent une en retour. Ouais. Mais je ne peux pas en faire un modèle de ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer sur plusieurs personnes. Alors, vous allez vous lever un par un. Je vais vous mettre une grosse claque. Et puis, on va voir mon réaction. Donc, l'hypothèse, c'est quand je mets une claque à quelqu'un, il m'en met une en retour. Peut-être au bout de 6 personnes, je vais lui mettre une claque. Il ne va pas mettre une claque, il va m'insulter. Ah, ok. Et puis peut-être 5 personnes après, je vais mettre une claque, puis il va se mettre à pleurer. Ah, peut-être c'est parce que j'ai pleuré. Donc là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ben, je suis en train de créer un modèle. Ce que vous avez appris peut-être avec le disque. Vous connaissez le disque? Vous voyez, il y a qui sont rouges, bleus, les profils, les techniques de management. C'est du test and learn. On a appris comme ça, on a regardé, on a testé, tiens lui il fait ça, quand on fait ça, il se passe ça. Et donc, on a créé notre modèle et on a segmenté. Les rouges, je mets une claque, tu mets une claque. Les jaunes, tu mets une claque, tu l'insultes. Hein, je mets une claque. Et là, tu vas pleurer. Parfait. Sauf que là, au bout du 20e, il y en a un qui arrive. C'est le profil rouge. Il arrive, costaud, machin. Ok, je lui mets une claque. Baisse la tête s'il m'a pleuré. Bon, pourquoi? Pourquoi dans vos modèles managériaux, dans vos modèles marketing, pourquoi il y a des gens
puis il coche toutes les cases, mais ça marche pas. Moi, j'ai vécu en storytelling, j'écrivais des histoires, et il y avait des types de clients qui répondaient très très bien à certaines histoires, puis à un moment donné, ça accroche pas. Et j'avais pas les outils pour répondre à cette question. Pourquoi ça marche pas? Pourtant, il cochait toutes les cases. D'autres personnes. Eh bien, non, il y en a, boum, 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 ça ne marche pas. Eh bien, dans toutes nos approches empiriques, dans tout ce qu'on vous a appris jusqu'à aujourd'hui, on est incapable de savoir pourquoi. On est incapable de le dire. Pourquoi? Parce que selon le contexte, selon la personne, selon tout ce qui se passe, on ne sait pas. En fait, au début, la stratégie adaptative au mouvement, c'est ça une décision. On ne savait pas ce qui se passait ici. Donc, si ça ne rentrait pas dans les cases, ben, tant pis. Donc, les approches empiriques, on est bloqué, on l'a vu. L'inéquation décisionnelle, ben c'est se débarrasser de l'empirisme pour aller voir vraiment ce qui se passe là. Aller au-delà. Donc ça ne veut pas dire qu'on est en train de dire oubliez tout, surtout pas, surtout pas, surtout pas. Mais tout ce que vous avez appris là, l'empirisme depuis des centaines d'années, votre disque, toutes les techniques que vous avez pu apprendre, etc. Si vous mettez ça en application, vous allez les découper. Surtout pas les oublier. Surtout pas les oublier. Gardez tout ce que vous avez. Sauf que là, ça va vous amener un élément supplémentaire, une poupée russe supplémentaire qui va vous permettre justement de booster ces approches-là et peut-être même de mieux les comprendre. C'est ça. Alors, l'autorité d'or, il a mis la bonne métaphore. C'est comme des poupées russes. Vous avez appris plein de choses, managerial, machin, etc. Ça, c'est des poupées russes. Là, vous êtes dans la dernière petite poupée russe, celle qui explique comment ça se passe à l'intérieur. Et voilà une belle approche en empirique. Ah. L'Homo erectus, oui, 450 000 ans. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Il découvre du feu suite à la foudre ou je ne sais pas quoi. Après, il apprend à le faire avec des silex. Après, il se dit, quand on le met dans la grotte, tiens, il fait chaud, c'est bon, c'est génial. Testender, approche empirique. Et puis, il peut cuire, ça sent bon, on mange, ça éloigne les animaux. Ça. Ok, pas plus. Puis un jour, il y a un mec qui arrive là, un chimiste français, Laurent Lavoisier, 1775, de mémoire. et il a tout révolutionné. Lui, il sort de l'empirisme. Il va voir comment ça se passe dedans. C'était ça, ça marche, ça marche pas. Ça marche, ça marche pas. Ça marche pas. Et quand on n'est pas dans l'empirisme et quand on sait comment ça se passe, on peut maîtriser comme ça, oui. On prend le feu là, et là on peut faire des choses sympathiques. C'est ce qui s'est passé pour le meilleur ou pour le pire. Une fois qu'on a maîtrisé, qu'on est sorti de l'empirisme, réacteur. Mais pour le meilleur et pour le pire. Pareil pour Internet. Pour Internet, on y trouve le meilleur et on y trouve le pire. Et ce modèle aussi, ça peut être à la fois pour le meilleur, pour améliorer votre communication à la fois professionnelle, mais aussi votre communication personnelle. Mais avec ce type de modèle, on peut aussi aller vers de la manipulation. Et avec Jeff, on pourrait demain, éventuellement, ouvrir une secte. Et d'ailleurs, je crois qu'on prend les adhésions à la fin de... Oui, on prend les adhésions à la fin de la secte. Effectivement, certaines sectes utilisent pas ce modèle-là. Alors, mais utilisent des modèles de manipulation. Voilà. Pourquoi on dit ça? Parce que là, on est dans une initiation. Derrière, il y a des formations pour apprendre à maîtriser ça, une formation praticienne, maître praticien. Tous les gens, si ça vous intéresse, ou vous allez vers Christophe, si vous voulez qu'on fasse un truc avec l'IRCE ou des trucs en personnel, vous pourrez nous contacter si cette approche vous intéresse. Mais dans tous les cas, il y aura un entretien au début. Pour savoir si on ne tombe pas sur quelqu'un, on peut, vous voyez. Ça vient qu'à Skippy, quoi. On va appeler Skippy, Il y en a qui ont des codes. Du coup, on va s'amuser, on se fait une petite approche empirique. Empirique? Allez, c'est parti. On va vous faire un petit test psychologique. Vous êtes prêts? Alors, est-ce que vous pouvez bien tous fermer les yeux? Ah, assurez-vous que les poquettes sont sur scène. Fermez les yeux, maintenant vous imaginez. Vous imaginez un grand tableau blanc devant vous. Et puis sur ce tableau blanc, maintenant, là, il y a un feutre. Vous prenez ce feutre et puis vous commencez à dessiner un dessin simple que vous soyez capable de faire vous-même. Alors ceux qui sont derrière la caméra, vous pouvez aussi un oui, vous pouvez aussi aller vous faire jouer le jeu, vous allez voir. Maintenant, ce dessin que vous avez là, qui est sur ce tableau blanc, vous l'ancrez dans votre mémoire. Et vous pouvez réouvrir les yeux. Et maintenant, je vais vous demander, s'il vous plaît, de bien vouloir tous vous lever.
segmenté, on a mis des catégories comme ça. Alors maintenant, tous ceux, et même YouTube, là, tous ceux qui ont dessiné une maison, une forme géométrique ou une fleur, asseyez-vous. Toutes celles et tous ceux qui auraient dessiné un bonhomme, un visage ou bien un moyen de transport quelconque, vous pouvez vous asseoir. Et tous ceux qui ont dessiné un arbre, un animal, un soleil ou un nuage, asseyez-vous. Alors, vous voyez, d'après ce modèle empirique, d'après cette étude psychologique, tous les gens qui sont maintenant assis ont un raisonnement logique et normal. C'est une étude qui est sortie dans le Lancet, c'est sur le Jet SM 2021 du Lancet. Mais attention, justement, ça ne veut pas dire que parce que vous ne rentrez pas dans ces cases, il n'y a pas des choses vachement intéressantes à voir, justement. Dans cette manière de faire, vous avez vu que vous ne rentrez pas dans l'approche empirique, et c'est là que ça devient intéressant quand on sait ce qui se passe vraiment derrière tout ça, derrière ces tests-là. On fait une expérience avec vous, du coup, qui êtes debout là. Moi, je vais avec son jeu de cartes là. Bon, on va essayer de voir un petit peu si vous arrivez à réagir à certaines choses. Allez, je commence. Allez, je commence. Ton prénom ? Rama. Rapidement, comme ça, mais vraiment rapidement. Dis-moi, tu sais, il y a deux couleurs, il y a du noir ou du rouge ? Rouge ou noir ? Noir. Noir, t'es sûr ? Peut-être que j'ai influencé parce que j'ai fait rouge et noir comme ça. Ouais. Je sais, le noir, tu bloques les paroles, quoi. Ouais. 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 Vas-y, continue. Donc, okay. On va dire noir. On garde ce que vous allez dire. Hein. On va rester pas. Oui, à chaque fois, on va regarder. Le prénom, c'est Delphine. Très bon choix sur le prénom. Donc, noir, dans les cartes noires, on a du pic, du trèfle, du pic, du trèfle, du pic, du trèfle, pic, du trèfle, comme ça. Pic. Intéressant. Dans les piques. Tiens, c'est pas. Dans les piques, rapidement, comme ça. Tu sais, il y a des cartes à points, figure ou point. Qu'est-ce qu'on garde ? Point ou figure ? Point. Point. Ah. D'accord. Ok, point. On est sur les points ? Pique. Point. Transport, merci. Monsieur, au fond, le prénom c'est ? Félix. Très bon choix également. Ça tourne, bien sûr. Félix, carte à points, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 7, 8, 3, 2, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, lequel ? 1. Donc l'as de pique. Ok. Vous pouvez vous rasseoir, je trouve, c'est merci. On est sur noir, ça aurait pu être rouge, pique, ça aurait pu être trèfle, carte à points, ça aurait pu être figure, et. Ok. Tu n'as pas touché au bout ? Non. D'accord. Non, je le demande toujours parce que j'ai toujours peur qu'il touche au jeu. Faites-le en toute volonté. Alors c'est vrai que peut-être comme ça, si on avait dit rapidement à des gens, ils auraient dit l'as de pique direct. C'est des cartes qui sortent beaucoup, ça. L'as de pique. Dame de cœur. Dame de pique. Par contre, si on regarde ici à l'intérieur du jeu, il y a une seule carte à l'envers dans un jeu à l'endroit. Parfois, vas-y, je vais la prendre. Tu as dit dame, c'est ça ? Dame. As de pique, merci. Vous avez pris ces décisions tout à l'heure, pourquoi tu as dit 5 tout à l'heure. Est-ce que vous rappelez le moment où vous avez pris la décision de venir ici ce soir ? Vous rappelez ? Ouais. Alors peut-être que vous avez l'information qui est venue, je ne sais pas, peut-être par internet, peut-être une personne qui vous en a parlé, peut-être Christophe. Et j'ai reçu une invitation. De cette information-là, vous en avez fait une représentation en disant qu'est-ce que ça va être ? Vous avez imaginé peut-être un petit peu ce que ça pouvait être ou pas. Et puis vous avez analysé. Derrière, moi j'analyse, ok, est-ce que ça m'intéresse ? Est-ce que ça peut être intéressant pour moi à ce moment-là ? Est-ce que je suis libre ? Est-ce que je suis pas libre ? À quel moment c'est ? Est-ce qu'il y a un apéro après ? Et du coup, derrière, vous avez pris la décision, puisqu'il y avait l'apéro après, donc forcément, vous avez pris la décision de venir, ou pas d'ailleurs, être en présentiel ou bien en distanciel. Voilà. Et donc réponse adaptative, vous avez rempli, vous avez dit oui. Formulaire, je ne sais pas comment ça s'est passé, inscription, ça vous a mis en mouvement, rappelez-vous. Vous êtes adapté à votre environnement, vous êtes mis en mouvement. Et donc, ça a alimenté. Voilà, alimenté, revenir à votre représentation qui a pu être modifiée. Ensuite, repartir dans ce qu'on appelle la rationalisation,
en se disant, tiens, peut-être ça va me servir pour mon marketing, peut-être ça va m'améliorer sur ce conflit que j'ai avec tel employé. Peut-être qu'il y aura Félix, et donc on va passer à un moment sympa. Oui, donc. Et peut-être que, ouais, vous allez dire, je vais retrouver des copains, etc. Tout ça, c'est la rationalisation. Et peut-être qu'on va leur demander, tiens, est-ce qu'on utilise vraiment que 10% de notre cerveau? Parce qu'il y a vraiment un cerveau droit et un cerveau gauche. Il y en a qui utilisent. Non, c'est ça, c'est pas la peine. Donc, tout ça, ça vous parle. C'est comme ça que vous prenez les décisions. Du coup, voilà. Et ça, c'est le modèle. Vous avez une décision à prendre pour votre entreprise, vous avez une représentation des chiffres, des clients, du contexte, etc. Vous l'analysez, vous en discutez à plusieurs, vous prenez une décision, vous vous mettez en mouvement, en faisant des tableaux, etc. Ça va modifier votre représentation. Et rationaliser, oui, aussi on pourra l'utiliser sur ça, et peut-être sur ça, et avec tel client, etc. Et donc voilà, maintenant vous savez ce que c'est. Ça parle, ça. Donc vous savez ce que c'est que maintenant un processus décisionnel, c'est comme ça qu'on prend une décision. Okay. Donc on peut vous laisser passer une très bonne soirée. Voilà. Merci au revoir. Sauf que ça, c'est l'approche empirique. L'empirisme pour les autres. Et il y a un petit problème quand même. Et ça, c'est la partie consciente. Et il y a quand même un gros bug. Vous voyez arriver le bug? C'est quoi? L'iceberg. Ouais, mais qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit 35 000 décisions par jour. Est-ce que vous avez l'impression 35 000 fois par jour de faire le schéma qu'on vient de voir? De faire ça? C'est compliqué. 35 000 fois par jour, vous faites ça? Vous êtes sûr? Moi, j'ai pas le temps. Sincèrement, j'ai pas le temps. Donc, s'il y a un bug, pourquoi? C'est parce qu'en fait, 99,74% de nos décisions sont directement prises par notre cerveau sans que nous en ayons conscience. Ça veut dire que ce schéma du début où vous êtes persuadé de fonctionner comme ça dans les décisions que vous prenez pour vos entreprises, pour votre vie, etc., ça ne représente que 0,26% de vos processus décisionnels, de vos prises de décision. Et on peut penser que ça n'est valable que pour les petites décisions qui n'ont pas d'importance, non ? S'il y a... C'est Daniel Kahneman qui a eu un prix Nobel sur ce travail-là, cerveau 1, cerveau 2, et qui a montré que des personnes qui étaient des traders, qui mettaient en jeu des millions, voire même des milliards lors de certaines actions, et bien prenaient des décisions totalement irrationnelles. Et à chaque fois qu'ils étaient mis dans un certain contexte, et bien ils prenaient toujours ces mêmes décisions irrationnelles. Donc ça n'a rien à voir avec l'importance de la décision. Parfois, des décisions très importantes sont prises de façon totalement irrationnelle parce qu'elles sont inconscientes. Ce qui peut nous arriver avec ce modèle qu'on va vous présenter là, c'est d'intervenir auprès de cotiers, de gros comités de direction, qui vont investir des millions, qui vont passer du temps en réunion. Puis nous, être observateur, puis à la fin de la réunion, on va dire, ben voilà toute l'irrationalité de la décision que vous venez de prendre. Et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure du cockpit d'avion, parce que dans le cockpit, pour éviter ces biais cognitifs, cette irrationalité, on a mis en place des procédures. Continuons. Donc on pourrait se dire que c'est déjà au moins 0,26%. C'est pas mal. Ça fait une centaine. C'est à peu près une centaine par jour. Hein? Centaine de décisions par jour. Ok. Ça vous met ce moment. Ça va durer. Vous connaissez Matrix? Prenez quelle pilule? On y va. En laboratoire aujourd'hui, on est capable de prévoir une décision d'une personne 11 secondes avant qu'elle ait conscience de la décision qu'elle va prendre. Ça veut dire quoi ça d'après vous? Ça veut dire qu'on a des réponses. Ça veut dire que 100% de nos décisions ont été prises par notre cerveau sans que nous en ayons conscience. Toutes les réponses sont déjà là, en effet. On n'a même pas le temps d'en avoir conscience. Notre cerveau nous autorise à avoir conscience de 0,26% de ses décisions qu'il a prises à 100%. On peut avoir un contrôle, mais par contre, la décision est déjà prise avant, et il faut que ce soit un rétro-contrôle dessus. On va le voir. Donc, donc ça, partie empirique, donc ça ne veut pas dire que ça sert à rien, hein, attention. On va voir comment. Et donc tout se joue ici, dans la partie inconsciente. Ouais, mais le cerveau donc perçoit et affecte de la valeur aux informations en 230 millisecondes, donc bien avant que nous puissions en avoir conscience. Ça, 230, c'est pour les décisions les plus difficiles. Donc ça a lieu en 80-90 millisecondes.
J'aime bien ce moment de mince alors. Est-ce que je suis en automatique complet, ma chère? Non, rassurez-vous. C'est pas comme ça que ça se passe. Continuons. Donc, décision consciente, décision inconsciente. Et là, on se dit, ouais, mais c'est moi qui prends les décisions. Bien sûr. C'est moi. Soit moi, mon cerveau, c'est la même chose. En fait, il y a un petit truc. Vous savez ce qu'on appelle le moi? Ce que vous appelez moi? En fait, c'est juste une petite zone ici qu'on appelle le néofrontal. Qui communique avec deux petites zones pariétales ici. Et cette petite zone-là, eh bien, c'est le moi. C'est moi. C'est la seule, d'ailleurs, c'est la seule zone quand on y réfléchit qui a réussi à se nommer. Parce que le cerveau. Et tout ce qui ne passe pas, qui ne transite pas par cette zone, vous n'en avez pas conscience. On va faire une petite expérience pour que vous touchiez du doigt la limite entre conscient et inconscient. Commencez à vous dire un truc dans votre tête et vous arrêtez la phrase en plein milieu. Vous arrivez à le faire, c'est difficile. Hein, là, vous rendez compte que si vous ne finissez pas la phrase, vous ne savez pas, vous saviez pas ce que vous allez vous dire. C'est on est obligé de décider avant ce qu'on va se dire. Pourtant, vous savez, vous allez vous dire quelque chose. Mais pourquoi? Parce que tant que la décision a été prise ailleurs que dans ce moi, dans ce niveau frontal, et tant qu'on a, vous n'avez pas fait transiter par la sémantisation interne, ce discours interne, tant que vous ne l'avez pas amené au niveau frontal, vous n'en avez pas conscience. Donc si vous ne finissez pas cette phrase, essayez encore pour ceux qui n'ont pas réussi à le faire, parce que c'est difficile. C'est un peu comme si vous essayez de vous envoyer un texto, vous écrivez le texto, vous l'envoyez, mais sans que vous ne l'avez pas reçu, vous ne savez pas ce qui est écrit dedans. C'est exactement ça. Bizarre. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Du coup, c'est une petite prédiction. Allez, ça m'est bien. On s'amuse. Bon, déjà, s'ils ont bien, s'ils ont bien écouté, on va poser quelques questions. Ah, monsieur. Ça va là-bas. On va voir. Tiens, juste ici, là. Nombre de décisions par jour. Vas-y. Bon, ça va. Là, ça va. C'est pas si il y a un qui suit. Si, marque-le. Ok, allez, on va aller par là-bas. Bonjour. Jeff, enchanté. Tiens, est-ce que tu marques le nombre que tu veux? L'unité, le nombre d'unités d'informations par seconde que capte notre cerveau. C'est en millions, je te dis. Pendant ce temps, je raconte une petite histoire. Une histoire d'entrepreneur. C'était une grande marque de chaussures qui envoie deux commerciaux en Inde pour vendre des chaussures. Les deux commerciaux arrivent, ils passent 48 heures là-bas en Inde, ils appellent le patron de 48 heures. Et puis le premier, il appelle le patron. Il dit, voilà, c'est infernal, on ne va jamais vendre de chaussures là-bas. Tout le monde dit qu'il est nu, le marché, c'est zéro. Il n'y a personne qui va vouloir acheter des chaussures. C'est impossible de se développer là-bas. 10 minutes après, il y a le deuxième commercial qui appelle le patron. Il dit, putain, c'est génial, il n'y a personne qui a des chaussures, on va pouvoir vendre à tout le monde. C'est maintenant que tu racontes tes histoires, parce qu'après, on va faire le calcul à quelqu'un. Monsieur, s'il vous plaît. Ah, tu veux que... Ouais. Tu vois, il y a un petit truc ici, là. Juste avant qu'on fasse le calcul pour vous ouvrir. Mais l'histoire entrepreneuriale. Alors, attends, j'ai fini sur ça. Vas-y, juste le nombre. Donc, c'est en millions aussi, tiens, en face de là. De Rubik's Cube qui sont en France. Je te donne une indice. C'est à peu près un foyer sur deux. Tiens, énorme. Un foyer sur deux qui a ce genre de Rubik's Cube. Et alors, dans le monde, je ne dis pas, c'est énorme. Énorme succès entrepreneurial. C'était Rubik qui a créé ça. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'au départ, ça n'était pas du tout fait pour être un puzzle. C'est une calculatrice. Au départ, c'était juste un objet pour aider les étudiants à comprendre le développement dans les trois dimensions. Pour aider les architectes à comprendre le développement dans les trois dimensions. Et un jour, il y a quelqu'un qui s'est dit, bah, tiens, on va mettre des couleurs dessus. On va emmerder tout le monde avec ça. Et c'est devenu le puzzle le plus célèbre du monde. Pourquoi? Parce que dans ce petit cube, il y a 43 quintillions de possibilités. 43 milliards de milliards, c'est énorme. Quintillions, tu l'as cherché dans un petit pouce. C'est 43 milliards de temps. Il est en train de faire l'addition? Ouais. Oh, non, ça c'est la date.
Il est en train de le faire ? Ouais, ouais. Je vais essayer de résoudre le cube avant qu'il ait fini la mission. Il faut savoir que si je fais 1500 combinaisons à la seconde, hein, il me faut plus de 2000 ans pour les faire toutes. C'est énorme. Vous pouvez aller chercher sur Wikipédia, c'est pour ça que c'est le plus. Je vais essayer de le résoudre avant même qu'il ait terminé son. Alors, en modèle, ok. Le record, il est de 3 secondes et quelques, je crois. Ok. Alors, c'est parti. On va y aller. 1, 2, ici, on y va. 1, 2, 3, il faut essayer d'être plus vite. De mémoire, je passe. 1, 2, 3. Yes! J'ai gagné. J'ai battu mon record. Alors, tout ce que j'ai raconté est vrai sur le Rubik's Cube. Et donc, comme quoi, des fois, il suffit d'un petit détail pour changer les choses. S'il est entièrement noir, c'est juste un objet pour apprendre à se déplacer en trois dimensions. Si on met des couleurs dessus, eh bien, ça devient un puzzle et c'est un succès mondial. Et d'ailleurs, ça revient énormément à la mode. On réussit à relancer un petit peu le Rubik's Cube. On arrive. Ouais, ça va. On a du mal à calculer. C'est des gros chiffres. La calculatrice, elle a du mal. Ah, bah oui, c'est. Ah, oui, c'est ça. C'est bon. Voilà, c'est bon. Marque le résultat. On avait oublié à zéro, excusez-nous. Ah, bah oui, si on comme 100 millions, ça fait 40 millions. Ah, bah, c'est comme 43,4 millions si on oublie à zéro. D'ailleurs, 43,4 millions, c'est. J'ai appris le mot en cherchant sur Internet. Le résultat, 40 millions 107. Je te le ramène. Comme ça, ils vont rien voir. Combien ? 40 millions 151 030. C'est ça ? 40 millions 151 030 ? Donc là, t'es tombé juste. Là, un nombre au hasard à peu près. Là aussi, au hasard. Pas loin. Attends. 40 millions. Ça me dit quelque chose. 40, 151, 30, 40. Tu sais quoi ? Je crois que c'est le code de ma rentrée chez moi. Ah ouais, 40 millions, 150. 40 ? Non, mais ça veut dire, juste 40, avant, on parlait de prédiction, d'être capable de prédire des choses. 40, 151, 30. Ouais, 40, 151, 30. Comme j'ai toujours peur d'oublier le code de ma résidence. On a marqué ici. 40 millions, 151, 030. Merci. Les calculs et tout. Jusqu'ici, est-ce que vous avez des questions ? Ça vous parle ? Le deuxième commercial, alors il appelle son patron et après. Et le deuxième commercial, il appelle en disant bah, justement, c'est génial, ici il n'y a personne qui a des chaussures, donc on va pouvoir en vendre à tout le monde et en fait le marché il va exploser. Donc en fait, du coup, face à la même situation, on peut vivre les choses de façon totalement différente. Moi je vais dire. Oui. Je vais rétro-pédaler. Ouais. Rien à perdre, c'est quoi rien ? Rien, c'est-à-dire que tu ne vas pas investir des millions qui sont déjà là. Voilà. C'est-à-dire que tu es en train de construire ton entreprise, on développera ça après si tu veux. Mais voilà. L'idée, c'est vraiment d'être dans l'action. Et donc, comprendre les processus qui vont te faire passer ou pas à l'action. Donc, on a vu que. Pardon, oui. Une réaction, c'est-à-dire que maintenant je peux toujours dire ah bah c'est pas de ma faute. Tu as anticipé ce que j'allais dire. Très bien. Donc on pourrait se dire oui, ouais. Non, non, c'est mon cerveau. Certains avocats ont essayé aux États-Unis, quand ces recherches sont sorties, les avocats aux États-Unis ont essayé de faire valoir ça pour déresponsabiliser. Exactement. Et vous dénoncez aux États-Unis où les avocats ont essayé de faire valoir cet argument, exactement, en disant ah oui, suite à ces études, en fait, c'est pas la faute de la personne, c'est la faute de ton cerveau. Non. Pourquoi ? Parce que, alors on anticipe un peu, mais parce que cette petite zone, ce néofrontal qui est là, bien, lui, il a une capacité de rétro-contrôle. Il n'y en avait pas tout à l'heure, mais vous savez, ce petit moment où 22h, vous avez bien bossé, vous rentrez du boulot, ah oui, vous êtes entrepreneur pour 22h, et puis vous passez là, vous avez fait un bon repas d'affaires, et puis sur la table basse là, votre femme, votre mari, il a oublié la tablette de chocolat. J'avoue. Un petit caramel.
Le cerveau, il a déjà pris la décision. Je vais le bouffer, ce carreau de chocolat. Ah, mais voilà, c'est l'été bientôt. Et là, il y a l'image de la plage. Oh. La décision, elle est déjà prise. Non. Donc oui, il y a une manière de muscler, d'avoir plus de rétro-contrôle sur tout ça. D'accord, c'est ce qu'on appelle atteindre les hauts niveaux cognitifs. C'est l'entraînement, ça s'apprend, c'est ce qu'on enseigne. Pour avoir plus de rétro-contrôle sur nos décisions, sur tout ça, donc tu pourras pas dire c'est la faute à mon cerveau, c'est bien de ta faute à toi. Donc on a vu que c'était donc inconscient tout ça. Maintenant, voyons la différence entre représentation et perception. Là, on va toucher du doigt ce qui génère 99,9% de tous les conflits de votre vie. C'est pas mal, hein. Qu'est-ce que vous voyez? Alors, qui voit une jeune femme? Ah, qui voit une vieille dame? Qui voit les deux? Qui arrive à voir les deux en même temps? Putain, c'est bizarre cette diable. Non, on voit l'une l'autre, l'une l'autre. Les deux en même temps, c'est des trucs bizarres. C'est là, en fait, il y a une perception. Ouais. Il y a plusieurs représentations. Au moins deux. C'est marrant. Ici, qu'est-ce que vous voyez? Voilà, un chien. Ici, hein. C'est le trou. Ici, tu vois un bébé? Un bébé, tu vois un bébé? Ah, est-ce que toi t'es prêt? C'est qui voit un couple? Ah, ouais. Parce qu'on l'a dit. Je sais pas qui a dit ça. Parce qu'on l'a dit. Là. Ce que tu viens de dire là, c'est quelque chose de vachement important, on en parlait tout à l'heure. C'est la maîtrise attentionnelle. C'est une autre conférence, c'est-à-dire comment amener les gens à voir des choses qu'on voulait qu'ils voient, mais qu'ils ne voient pas. Oui, mais si on n'est pas vraiment. Tu les vois, regarde. C'est qu'ils existent. Sauf qu'en fait, une perception, plusieurs représentations. On continue, mon cerf ? On continue ? Et ici ? Vous voyez quoi ? On voit des gens qui dansent. Vous m'avez volé. Moi, je vois des gens qui. Ouais, ouais. Vous voyez autre chose? D'ailleurs, si vous montrez ça à un enfant, il va voir des gens qui dansent. Il va voir que des gens qui dansent. Si là, juste avant, avec Seb, on vous avait parlé de gériatrie, de vieux, on vous avait donné les codes de toute la vieillesse, de l'âge du mur, l'âge d'or. 99% d'entre vous, vous n'auriez pas vu la jeune fille. On appelle le baseline shift dans la maîtrise attentionnelle. On l'a fait avec des étudiants, on les a fait travailler sur un texte où ils devaient parler de la vieillesse. Et ensuite, on a mesuré le temps qu'ils mettaient pour aller à la bibliothèque, ils mettaient plus de temps pour y aller. C'est vrai. Et de la même manière, ils voyaient plus facilement les images quand on avait des images avec deux représentations possibles. Hein, avec, ils voyaient donc, plus la vieille. Donc, c'est un peu ce que vous nommez réel, existe. Vous croyez qu'il y a du réel, en fait non. En fait, ce que vous appelez réel, c'est quoi? C'est votre cerveau, il est là, tranquille, dans le crâne, dans le liquide cérébro-spinal. Autour, il y a ses méninges. Autour, il y a de l'os. Et autour, il y a de la peau. Voilà. C'est bizarre, il y en a qui ont mis des cheveux. Je sais pas pourquoi. C'est absolument rien. C'est une perte de temps énorme. T'es d'accord, toi? C'est le stade ultime. Et en fait, aussi isolé de tout. Donc, il va se, on a vu que c'était, il va se représenter. Ça veut dire quoi, se représenter? C'est se présenter de nouveau. Donc, lui, il a juste des stimulations électriques qui arrivent. À partir de ces stimulations électriques, pouf, il va créer une représentation qui n'a rien à voir avec ce que vous appelez réel. Et d'ailleurs, comme le réel n'existe pas, je vais juste faire un petit cadeau, alors on va faire rapidement, mais comme ça, vous allez pouvoir repartir avec, peut-être une illusion optique avec quelque chose. Allez, on s'allume rapidement. Allez. Alors, je vous demande à tous de mettre ceci et vous les mettez au niveau des sourcils. Ici. Très bien. Ouais, toi, tu as les sourcils un peu mal. Voilà. Bien au niveau des sourcils. Et important, vous continuez à nous regarder. Vous ne regardez jamais vos doigts, vous regardez vers nous. Voilà, loin devant. Loin devant. Et là, vous allez juste descendre les doigts un tout petit peu devant vos yeux et vous allez écarter, vous allez les éloigner tout doucement, tout doucement, tout doucement. Toujours en fixant au loin. Toujours en fixant au loin. Et quand ils sont un petit peu écartés, vous allez écarter un tout petit peu les doigts. Et en écartant un tout petit peu les doigts, juste les écarter à peine, vous allez voir une petite saucisse cocktail qui flotte dans les airs.
voyez ? Est-ce que vous voyez cette petite saucisse coquette ? Excellent. Ceux qui n'ont pas réussi, on montrera tout à l'heure. Mais du coup, celle-là, voilà, vous l'amenez chez vous, Donc oui, le réel n'existe pas. Est-ce que la représentation est fidèle à ce que vous percevez ? Non. Et oui, ça, c'est ce qu'on croit. Pas mal, hein, pour une image à 95% en noir et blanc. Oui. 5% de couleur. On a vu Coca cette semaine. Pareil. En fait, c'est votre cerveau qui passe son temps à vous tromper. Alors, celle qui vient, vas-y, tu l'expliques, celle Celle qui vient, oui. Alors, là, suivez le petit trou là, qui se déplace. J'ai la tête ici. Le petit, voilà. On suit. Vous regardez bien. C'est bon. On voit le petit rond qui se déplace. Très bien. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez juste fixer le centre. Vous allez fixer la 3. Uniquement la 3. Vous fixez la 3, uniquement la 3. Et petit à petit, vous allez voir que. Qu'est-ce qui se passe ? On voit un petit point. Là, il y a un point vert qui apparaît. Et en plus, vous allez voir que si vous fixez bien la 3, vous allez même voir que les points roses disparaissent complètement. Et pour certains, vous allez même juste voir un point vert qui se déplace. Il n'y a jamais de point vert sur cette image. Il n'y a pas de point vert, il n'y a rien qui disparaît. Encore une fois, c'est juste votre cerveau qui vous trompe avec ce qu'on appelle la constance chromatique. Et alors, notre préférée, alors celle-là, elle fait mal. Et chaque fois, elle nous fait mal à nous aussi. Pour se dire, tiens, est-ce que ce que je perçois, c'est la réalité ? Ben non. Alors là, votre cerveau vous ment. Il vous ment ici, entre A et B. À votre avis, il vous ment sur quoi ? Sur la couleur. Sur la couleur ? C'est la même couleur. A et B sont quelles couleurs ? Gris et blanc. Sur la profondeur. En fait, A et B, ils sont exactement de la même couleur. Vous pouvez vous amuser. Alors, on n'a pas la connexion d'ailleurs, tiens. À le faire sur. On a fait l'expérience pour vous montrer sur Photoshop. Vous verrez le pixel ici et ici, c'est le même. Qu'est-ce qui fait que là, c'est pas pareil ? Et c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure avec des traders qui prenaient des décisions irrationnelles, etc. C'est le contexte. Selon un contexte déterminé, vous rentrez dans une irrationalité la plus totale. Mais on a trouvé la manière de vous faire vérifier. Vas-y, Seb. On touche à rien. Seb, il a fait deux petits trous dans une feuille. Regardez bien A et B. A et B. Vous pouvez vous approcher si vous voulez. Ils sont de quelle couleur maintenant ? C'est plus de gris. Ouais. Dès qu'on fait disparaître le contexte, paf, instantanément, vous voyez bien que c'est exactement la même couleur. Alors là, boum. Et même si on a conscience, eh bien ça fonctionne. Alors ça fonctionne pour les illusions optiques, mais pas ça fonctionne pour tout. Malheureusement, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on pourrait nous dire demain, attention, quand vous allez prendre des décisions pour votre entreprise, faites attention à ça, ça et ça. S'il y a tel contexte qui est réuni, on peut vous mettre tous les systèmes d'alarme que vous voudrez, vous tomberez dans le piège. Je ne vais pas avoir ma femme. On pourra vous dire, attention, il se passe ça, ça et ça, surtout tu ne fais pas ça. Ok, qu'est-ce que tu vas faire, ça. Comme là, là, on vous l'a dit. Est-ce que vous arrivez à ne pas voir les cases de la même couleur ? Non. Et c'est normal. Et je prenais l'exemple de Daniel Kahneman tout à l'heure sur système 1, système 2. Il a montré que les traders prenaient des décisions irrationnelles, mais que c'était une irrationalité prédictive. En fonction du contexte, les gens réagissaient à 95-98%, tous de la même façon. Donc c'est vachement important à retenir la différence entre perception et représentation, c'est que tout n'est que perception pour notre cerveau à l'intérieur, mais tout n'est que représentation pour notre conscience. Donc tout ce que vous croyez être réel n'est que la représentation de la réalité. Qui c'est qui a raison ? Et pourtant, ce parallèle-là, on le développe en formation, encore une fois, on pourrait vous donner 1 million d'exemples dans tout ce que vous vivez au niveau entrepreneurial au quotidien, avec vos clients, vos fournisseurs, tous vos conflits, c'est ça. Je leur parle du niveau numéro 17 ou on en parlera après ? On parlera du numéro 17 tout à l'heure. Donc, on résume ce qu'on vient de le voir, on a vu que tout se passait ici en bas. On résume ça à l'extrême. D'accord ? Donc, à l'extrême, c'est quoi ? Vos prises de décision, elles ont 3 points. La première voie, donc vos prises de décision inconscientes, hein, vous avez vu tout se passe ici, en fait. Hein. La première voie, c'est les perceptions, tout ce qui vous arrive.
Ça, on est capable de contrôler de certaines manières. Ces perceptions, elles viennent comparer avec vos mémoires. Donc, par exemple, là, je regarde ici, j'ai pas besoin de me concentrer sur ça pour savoir que ça, c'est une chaise, que ça, là-bas, c'est une fenêtre, que ça, c'est la porte, que là, il y a la caméra, parce que c'est par mes mémoires. Donc, j'ai pas besoin de mettre de l'énergie sur ça pour le savoir. Par contre, je peux être là et croire que, je sais pas, vous savez, la nuit, vous baladez, vous voyez une ombre, ah, putain, il y a un animal, hein, donc c'est un arbre. Dans mes mémoires, il peut y avoir des erreurs avec ça. Donc ça, pouf, ça va amener la décision, la représentation consciente, mais ça, c'est le modèle de l'intelligence artificielle. Nous, êtres humains, on a une troisième voie, c'est celle qu'on va vous présenter maintenant. Donc là, jusqu'à présent, ça a montré que c'était inconscient, qu'il y avait représentation et perception, que c'était deux choses différentes. Maintenant, on va vous montrer cette troisième voie de la prise de décision, et c'est sur cette troisième voie que vous allez avoir beaucoup d'impact. Donc, excuse-moi, je suis pas allé. Si la rationalisation correspond à la décision de mon cerveau, tout va bien. Tout va bien. C'est le fameux carré de chocolat, hop, je peux le prendre, c'est bon, je l'ai mérité, j'ai passé une meilleure journée, j'ai le droit de le prendre. C'est bon. C'est bon. Je vais me faire cette cigarette là, C'est bon. Mais parfois, la décision qui est prise de façon inconsciente... Être en opposition. Et là, on prend le cas. Ah, mais non, ça fait deux mois que je fais le régime, je ne vais pas craquer maintenant. Quoi. Je ne craque pas. J'ai pas envie. Et je reprends le contrôle. La cigarette, là, c'est plus pour moi. Je n'arrive pas à m'arrêter pourtant. Hein. On m'a tout dit. Et là, ça commence à bloquer. Donc, si on résume ça à votre quotidien, ce qu'il faut retenir, ce qu'on a dit au début, c'est que déjà, ce qui est important, ce n'est pas le quoi. Ce n'est pas votre entreprise que vous vendez. Oui, bien sûr, c'est important. Mais ce qui est important, c'est le à qui. À qui vous parlez. À qui je parle. Et là, souvent, tout à l'heure, on a parlé d'argumentaire. En fait, tout ce qui sous-tend l'ensemble de nos décisions se joue ici. Et c'est là, cette fameuse inéquation décisionnelle qu'on va voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, est-ce que l'argumentaire a sa place? Pourtant, vous avez appris depuis tout petit à pousser de l'information, pousser de l'argument, thèse, antithèse, synthèse, conclusion. Mauvaise nouvelle, ça ne sert quasiment à rien dans la prise de décision. Est-ce que vous avez fait un repas de famille où vous parlez politique, écologie, ce que vous voulez, et tout le monde a les meilleurs arguments? Est-ce qu'il y en a un qui a changé d'avis à la fin du repas? Essayez, on va voir un peu. Ça ne veut pas dire que l'argumentaire ne sert à rien. Ça veut dire que dans la chronologie de la prise de décision, il n'intervient pas là où vous pensez. Vous voulez vendre, vous voulez que les gens viennent vers votre entreprise, vous voulez les faire passer à l'action. L'argumentaire, c'est ici. D'accord. Donc c'est sur le rétro-contrôle du conscient. Cette fameuse rationalisation, la décision, elle est déjà prise. Et donc, ce qu'on va vous montrer là, apprendre encore une fois, vous en servir vraiment, mais c'est comment faire prendre la décision inconsciente et pas le rétro-contrôle conscient de l'argumentaire. Des questions? Le Tunisien. Rassurez-vous, tout à l'heure, on sera là pour répondre à vos questions, pour ceux qui voudront aller plus loin. Donc, qu'est-ce qui détermine les choix de notre cerveau? Allez, on va pour 10 minutes. Ça va? Vous tenez le coup? Ça vous intéresse quand même? Ça vous plaît? Ouais. On continue. Ça me questionne? Ça me questionne. Qu'est-ce qui détermine tous les choix de votre cerveau? Alors, c'est la troisième fois. Alors, on va pas partir sur la partie trop anatomique, là, c'est juste pour montrer un petit peu le système nerveux, c'est les grandes lignes du système nerveux. Et c'est à ce niveau-là que vont se prendre les décisions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a vu qu'il y avait trois voies pour prendre une décision. La perception, la mémoire et le système limbique. Et ce système limbique, on va vous montrer comment aller influencer, le titiller. Parce que ce système limbique, il fonctionne avec quelque chose de très puissant. C'est pour ça que ça s'appelle une inéquation, vous allez comprendre. Alors là, on va vous montrer le modèle de l'inéquation décisionnelle. Pourquoi une inéquation? Parce que dans la nature, jamais rien n'est allé.
L'équilibre. C'est ce que je vois. C'est un déséquilibre, pardon. Ouais, on parlait de mouvement au début, tu parlais de mouvement. Ben, c'est ça. La nature, c'est toujours chercher la prise de décision à vous mettre en mouvement. On parlait de déséquilibre ou d'équilibre instable. Il y en a qui parlent d'équilibre instable, c'est exactement la même chose. Et donc ce système limbique se pose à une question. Une seule question. Et il y répond très vite, en moins de 230 millisecondes. Est-ce que ceci est bon ou pas pour moi? Toutes vos décisions, 100% de tout ce que vous faites, répond à cette question. Est-ce que c'est bon ou pas pour moi? On raconte une petite histoire. Allez. Le but du jeu étant bien sûr pour votre inconscient de trouver la meilleure stratégie adaptative à ce qui se passe dans le contexte. Alors, ça se passe, c'est en quelle année, sur ton histoire? Alors, mon histoire, elle se passe au moment de mon pote, c'est mon pote Maurice, là, c'est l'homme de Cro-Magnon, là, vous voyez. Il est là, là il sort avec sa machine. Et oui, vous savez qu'on a le même cerveau, hein, qu'il n'a pas évolué, hein, depuis Cro-Magnon. Ce qui explique notre irrationalité, déjà. Et puis, il a vu qu'au printemps, là, il y a un arbre pas loin derrière, et il a des baies rouges exceptionnelles. Et à l'époque, il ne peut pas aller sur eBay pour les acheter. Si. Baies rouges. Moi, je disais qu'elle n'allait pas marcher. Donc, lui, il veut aller chercher ses baies rouges. C'est, une fois par an, il a ça, là, c'est sucré, plein d'énergie, il ne peut pas aller au supermarché, du coup, pour les acheter, ça, c'est vrai. Alors, il sort. Voilà. Et puis là, ah, le tigre attend de ça. Bon. Problème. Est-ce que ceci est bon pour moi? C'est bon pour lui? Perception. Alors, reprenons nos trois voix. Perception. Le tigre attend de ça. Oh, j'envoie ce flux perceptif dans mes mémoires. Et il y a 15 jours, il y a mon pote Roger qui s'est fait bouffer par le tigre. Du coup, pas très bon. Du coup, pas très bon. Vous savez, quand un gamin, il a mis les doigts dans la prise de courant. Ou quand... vous avez essayé quelque chose, ça n'a pas marché, c'est pareil. C'est dans vous et moi, c'est... Ah. Est-ce que c'est bon pour moi? Non. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ben, le cerveau, il envoie ça. Non, la noradrénaline plus du cortisol. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il est là face au tigre. L'accélération de la respiration. La digestion s'arrête. On a tous nos sens, tous nos nerfs qui se mettent en action. On a un gros gain d'énergie. On va chercher les liquides qui vont générer l'énergie immédiatement. Et là, qu'est-ce qui se passe? Fuite ou combat? Fight or flight. Fight or flight aussi, en anglais. Donc là, quand? Et ouais, in English. Donc là, il y a deux choses. Fuite ou combat. Comment vous disiez, au début, on peut avoir l'immobilisme. Tiens, mon client, il hésite. Il achète ou il n'achète pas? Il ne sait pas. Fuite. Mon client... barre de mon site internet, il va voir ailleurs, il n'écoute pas. Combat, je lui ai envoyé un argumentaire et il m'a envoyé contre 15 contre-arguments dans la tête sans arrêt. Et puis il va les critiquer sur Google, sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce que vous avez fait, c'est que vous avez généré le noradrénaline et du cortisol. Bien sûr, l'étape d'après, c'est de comprendre exactement chacun des déclencheurs et être capable de les analyser et de les provoquer. Donc, on continue avec notre tigre. Vous en foutez de Maurice, vous savez pas s'il est mort. Je suis mort, mais... Alors, Maurice, donc il est là. Donc, il a deux choix. Alors, soit il est dans un cul-de-sac, là, sa grotte, et il est obligé de combattre. Soit il se dit, oulala, pas bon, machin, etc. Il se barre en courant. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez que deux solutions, fuite ou combat. Mais qu'est-ce qui fait que Maurice il se met en mouvement? Qu'est-ce qui fait que Maurice il fait une fuite ou un combat? C'est que la nature, elle est vachement intelligente, la nature. Elle nous a rendu hyper aversifs à ça. En général, on n'aime pas. C'est une grosse stress qui nous prend. Ah. Très bien. Quand ça arrive, vous n'avez qu'une envie. Et voilà. Soit fuir le contexte, soit détruire le contexte. Ça ne vous est jamais arrivé de dire ah, c'est bon, j'en ai marre, allez, je laisse tout, j'en vois tout péter. Ouais. J'avais un peu. Donc, un peu vite. Donc, allez, Maurice, il est balèze, il a massacré le tigre. C'est bon. Moi, je vais faire un petit truc. Là, je vais aller chercher mes baies dans l'arbre. Donc, il continue.
Ah, il arrive dans l'épée rouge, machin, gorgé de fruits, de sucre, de c'est génial, une fois par an. Une fois par an, il a ça. Et là encore la question, est-ce que c'est bon pour moi, bon pour moi? Et là, pour le coup, top, quoi. Ah, j'ai envie. Hein. Donc, poum. De bonne minute. Là, le système va envoyer de la dopamine. Donc, on rend le cerveau va nous envoyer de la dopamine de manière à nous engager, à passer à l'action parce que c'est quelque chose qui va être bon pour nous. C'est quelque chose qui va améliorer nos ressources physiologiques. C'est quelque chose qui va répondre à un de nos besoins vitaux qui est la faim. Et du coup, on nous envoie de la dopamine puisque la nature est bien faite. Elle s'est dit, tiens, pour survivre, tout ce qui va être bon pour nous, on va y donner du plaisir. Vous savez, cette sensation de plaisir, quand tu sais, quand tu as. Je parlais avec une dame là, toi, quand tu as acheté ce beau petit haut vert, qu'est-ce que tu as fait? Je vais me faire un petit shoot de dopamine, tiens. C'est bon pour moi. Pareil, quand tu as acheté le petit foulard rouge, etc. Tous ces trucs qu'on fait là quand on achète ces petits achats compulsifs, c'est quoi? C'est le plaisir qu'on a au moment de l'achat. Dopamine. Le petit carré de chocolat aussi. Le petit carré de chocolat aussi, une récompense, dopamine. Et là aussi, quand on sait exactement tous les déclencheurs, c'est peut-être d'après, ça nous vient. Ouais, mais la nature, elle s'est dit, tiens, vous avez déjà essayé de faire un cadeau à quelqu'un qui a rien? Galère, hein? Noël arrive. Ouais, vous allez là, vous allez là, vous allez là. Donc, qu'est-ce qui va le mettre en mouvement, cette personne-là? Comment je vais lui amener sa dopamine? Eh bien, la nature, à l'aise encore, elle s'est dit, tiens, moi, je vais les rendre addicts. Je vais créer une addiction à la dopamine. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux avoir tout, mais tu auras quand même envie de plus. Tu peux avoir ça, là, c'est chez Lacan, on appelait ça comment le. Ah, ça porte un nom. Bon, bref, je ne me rappelle plus. Moi, j'ai un copain, il avait acheté une maison avec la vue sur le Frioul à Marseille. Il s'est dit, waouh, c'est génial, j'ai une maison avec la vue sur le Frioul. Je lui ai dit, c'est bien. Mais il s'est dit, mais je veux plus. Moi, maintenant, je veux un bateau. Comme ça, je peux aller sur le Frioul pour avoir une vue sur ma maison. Toujours plus. Ça marche mieux, celle-là. Ça marche mieux. Donc, oui, Lacan, c'est l'incomplétude de l'être. Vous savez, toujours l'impression de manquer quelque chose. Ben, c'est ça. Toujours c'est plus. Exactement ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On a fait une expérience avec un rat. Un rat, on a fait le rat qui tourne là, ça roule. À gauche, bande rouge, à droite, bande verte. Chaque fois qu'il met le pied sur la bande rouge, on a une petite électrode dans son cerveau, pouf, on lui envoie de cortisol, de noradrénaline. Ah. Et puis, quand il met le truc sur la bande verte, dopamine. Oh, ok. Et puis là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une télécommande pour diriger quelqu'un. D'où, en France, en Europe, on a ce qu'on appelle une loi de bioéthique. Pourquoi? Je vous vérifie la date, pour ne pas dire de bêtises. En août dernier, août 2021, donc notre ami Elon Musk, il a mis les premières puces directement à l'intérieur de ça, chez l'être humain. Directement dans le cortisol, dans la dopamine. Donc là, vous avez au sens propre et non figuré une télécommande pour diriger quelqu'un. Et on peut carrément envoyer de la dopamine ou de la noradrénaline. Ouais. Alors continuons avec notre rat, parce que la nature, elle s'est dit, je vais voir que ces espèces d'idiots d'humains, ils vont trouver une stratégie qui les fait kiffer, puis ils vont faire plus que ça. Parce que le problème, c'est ça, c'est que c'est tellement bon la dopamine, que le rat, on a poussé l'expérience, on lui a mis une petite pédale qui lui donne à manger, et puis une petite pédale qui lui envoie direct de la dopamine. Direct dans le cerveau. Un petit peu à manger, donc de la dopamine, c'est sympa. Mais par contre, l'autre, c'est le kiff absolu. Imaginez votre plus gros orgasme, d'accord, et vous le multipliez par 10. Voilà, c'est ce qui se prend à chaque fois qu'il appuie sur la pédale. Voilà. Donc, entre. Voilà. Et donc, manger un petit peu, et puis se prendre ce super shoot de dopamine, il n'y a pas photo, le rat, il se prend un shoot, et puis deux, et puis trois, et il n'arrête pas. Sauf que c'est tellement bien, il n'arrête tellement pas, tout d'un moment, il oublie de manger, et il finit par mourir de faim. Alors je vous rassure, c'est la plus belle mort que vous pouvez. Je kiffe total. Donc, la nature, elle s'est dit, si ils sont addicts à ça, on va rajouter autre chose. La fameuse dose, pour vous en rappeler,
ocytocine, sérotonine, endorphine. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La nature nous a rendu addict à tout ça. Ça veut dire que pendant que je suis en train d'assouvir ma dopamine en achetant quelque chose, en récompense, en me formant, ici à l'IRCE, vous prenez de la dopamine, ben j'ai un déficit qui se creuse en sérotonine, en ocytocine, en endorphine. Donc, comme c'est une équation, il faut rééquilibrer. Et donc là, voilà, je dis, ah, tiens, il va falloir que j'aille chercher mon ocytocine. Et pendant ce temps, ça se creuse ici, etc. Et la nature, elle nous met en mouvement comme ça, en permanence, en permanence. Et en fait, on est tous un petit peu des drogués. D'ailleurs, on lit où tout ça, admettons. Non, sérieusement, on a donc, cette formation qui s'appelle leadership et persuasion. Un leader, c'est quoi? C'est un deal. Ouais, on est tous des drogués. Quelqu'un qui sait exactement les déclencheurs de ça, les déclencheurs de ça, de ça, de ça, les déclencheurs de ça. Mais il est capable, dans son cockpit d'avion, de dire, tiens, ok, je vais analyser le cortisol qui fait que mon client ne passe pas à l'action. Je vais identifier les petites alarmes. Ces alarmes, je vais les éteindre, et puis je vais mettre en place les interrupteurs pour avoir de la dopamine, l'ocytocine, de la sérotonine. Et donc, je vais mettre la flèche du bon côté. Et après, on ne va pas le développer ici, après, il y a des multiplicateurs. C'est la manette des gaz. Comment je vais faire pour que vraiment ce soit engagé? Parce que des fois, vous avez mis la flèche du bon côté, mais les gens ne passent pas à l'action, on reste encore dans cette espèce d'immobilisme. Donc là, il va falloir pousser les gaz pour vraiment aller vers l'engagement, la fuite ou le combat. Et là, c'est encore d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Mais pour vous donner rapidement un petit exemple sur la dose, si on prend dopamine et ocytocine par exemple, vous avez pu l'observer autour de vous, ceux qui sont un petit peu sportifs ou ceux qui ont des enfants qui font du sport, il y a des enfants qui veulent absolument gagner, peu importe avec qui ils jouent, ils veulent absolument gagner et ils cherchent la victoire à tout prix. Ils cherchent, pour la reconnaissance, il a la dopamine. Et puis après, non, mais moi je m'en fous de gagner, moi je veux jouer avec mon pote. Et eux, ils sont plus dans la recherche d'ocytocine. Et donc, les deux enfants vont jouer au même sport, ils vont faire la même chose, mais par contre, ce ne sera pas les mêmes déclencheurs qui vont les amener à cette activité-là. Et c'est la même chose. Ouais. Et là, vous êtes plus dans une approche empirique, vous savez exactement ce qui se joue. Récemment, on a travaillé avec tous les campings Toapi. On avait tous les directeurs de France, là. Avec le numéro 17. Emplacement numéro 17, c'est tous les campings. Comme brasseur, oh, je veux le numéro 17. Ok. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont pour ça? Ben, ils dédommagent les clients qui n'ont pas obtenu l'emplacement qu'ils voulaient. Parce qu'il y a un grand quand même, ils veulent leur emplacement 17. Et cette année, ils n'ont pas. Il y a des travaux où il n'avait pas disponible. Ah, c'est trompé dans la réservation. Bref. Donc, ils vont dédommager la personne. Là, ils disent, ouais, mais on ne comprend pas. Parce qu'il y en a, ils vont prendre le dédommagement, c'est bon, super. Et il y a d'autres, ils vont rentrer dedans et. Ok. Mais. Je te dédommage. Quand on dédommage quelqu'un, qu'est-ce qu'on lui donne ici? La dopamine. Exactement. Donc, moi, si je suis quelqu'un qui veut le remplacement numéro 17, parce qu'à côté, il y a mon pote Roger, ben, je cherche le site aussi. Donc, si tu m'envoies de la dopamine, ben, je vais te renvoyer ton truc dans la figure version x10. Et puis peut-être que moi, le numéro 17, c'est parce que c'est moi le numéro 17. Ouais. 20 ans que je viens dans ce camping, je suis dans le... Donc là, c'est pas de la dopamine que j'en cherche, c'est de la sérotonine, sérotonine. Et du coup, quand on a travaillé avec les directeurs de si cette personne-là, eh bien, on lui offre une bouteille de vin à son nom parce qu'on a un partenariat. Ouais. Avec... En fait, ils ont la cuvée des campeurs où ils ont pris leur propre étiquette. Donc on leur a dit, tiens, Jackie. Écrivez Jackie sur la bouteille et vous montrez. Vous savez quoi? Ça marche. Parce que c'est la sérotonine qui veut. Ou alors, c'est pas possible. Ou alors, il y a la possibilité de faire une soirée spéciale. On dit voilà, les 2-3 anciens du camping, boum, allez, c'est vous qui nous aidez sur cette soirée, on vous met en avant. Et là, c'est ce qu'ils recherchent, c'est la sérotonine. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes plus dans cette empirique du disque, du. Là, vous êtes sur. Si on allait dans le. Il y a un profilage qu'on va appeler le profilage addictif. Vous savez exactement ce qui se joue en temps réel en fonction de la personne, de l'objectif et du contexte. Et là, vous êtes capable de tout faire quand vous maîtrisez ça. Alors, je vais vous montrer comment on est capable de tout faire. Si la potentialité de satisfaction addictive est plus forte que la capacité de résistance consciente, la décision de mon cerveau l'emporte. Je mange le carré de chocolat. D'accord ? Et ça, on peut le travailler. C'est mon cas. Tiens, moi aussi. Ici, on a deux leviers. Qu'est-ce qui détermine la potentialité de satisfaction addictive de toute chose? Donc,
la dose. Et comment votre cerveau construit ses systèmes de représentation. C'est là que, par exemple, quelqu'un comme moi, le copywriter, va intervenir sur la représentation que se fait la personne. Parce qu'un mot, un simple mot que vous écrivez, ça crée une représentation. Si je vous dis entrepreneur, vous avez 40 représentations qui sont là. Peut-être moins, c'est là qu'on va cibler. On va voir à qui je parle. À quoi ? Je m'en fous de vendre des solutions SaaS, des produits bio, je m'en fous. À qui je parle ? À qui je parle et comment ? Quoi je vais jouer ? Quels mots pour toucher leur représentation ? Et ils sont dans quel profil ? Ma cible, c'est quoi ? C'est des gens cytosynergiques, sérotoninergiques ? Est-ce qu'ils cherchent plutôt de la dopamine ? Et à partir de là, vous avez une vraie équation, une vraie lecture des choses que vous allez pouvoir appliquer sur une efficacité commerciale. Sur l'aménagement d'espace de vente, par exemple. Sur votre site internet, sur un site internet, c'est pareil. Un site internet, c'est comment est-ce que je vais créer la sérotonine, comment je vais être un dealer, comment je vais donner la dose à la personne qui vient chez moi. On a accompagné les magasins d'une marque de chaussures très connue. Parcours client. On regarde le parcours client. Dopamine, sérotonine, un petit peu d'endorphine, oxytocine. Qu'est-ce qu'on a fait dans le parcours client ? On a cherché les déclencheurs oxytocinergiques, notamment le contact physique, qui est un déclencheur oxytocinergique. Et juste en venant rajouter de l'oxytocine dans ce contact, dans ce parcours client, 35% de vente en plus. Pas mal, non ? L'espresso ? L'espresso. Waters. L'espresso s'attaque à un marché qui est quoi ? Saturé. Saturé. Le café, c'est quelque chose qu'on achète en grande surface, entre la lessive et le liquide vaisselle. Oh, on prend son paquet de café. Et si on revient dans la dose, là, ça apporte quoi le café ? Le café, c'est un marché qui apporte deux choses, à votre avis. Énergie, prestige et énergie. Alors, énergie, ouais, donc dopamine. Et aussi aussi. Grand-mère, c'est faire un bon café. On était grand-mère. Famille. Partage. On va au café. On va au café. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait, l'espresso ? Ils ont rajouté la sérotonine qui n'existait pas dans le marché du café. Ils ne l'ont pas fait au hasard. Ils ont réfléchi comme ça. George Clooney, tous les codes du luxe. Nos parents, nos grands-parents, c'était pas classe de boire un café. Tous les codes. Vous vous rappelez le sketch de Gad Elmaleh quand la Nespresso est sortie ? Café. Ouais, c'est moi Nespresso. Sérotonine, je le revendique. Donc, vous pouvez là aussi analyser ce que vous vendez, vos solutions, ce que vous faites, etc. Si on est dans cette inéquation, dans votre cockpit, vous allez peut-être d'abord analyser le cortisol. Alors oui, on ne va pas développer tous les déclencheurs là, mais dire tiens, pourquoi ce mec qui vient avec moi à mon guichet, à mon magasin, quand je fais mon service, pourquoi il fuit ou pourquoi il combat tous mes arguments ? On va regarder les déclencheurs. Après, on va aller dans la dose. Comment je la mets de l'autre côté ? Et enfin, je pousse les moteurs. Et là aussi, quand on a ces outils, par exemple de l'espresso, quand ils ont décidé d'aller sur la sérotonine, eh bien, ils ont tous les codes du luxe, que ce soit les codes couleurs, que ce soit, donc à la limite, ils ont mis des vigiles à l'entrée. J'ai jamais vu personne rentrer, donnez-moi tout le café, sinon je fais le garage, c'est impossible, ça n'arrivera jamais. Ouais. Mais ils ont mis deux vigiles à l'entrée parce que ça fait partie des codes du luxe. Quand on rentre chez Nespresso, c'est dans une bijouterie. Quoi. Ouais. Et pourquoi ? Parce que là, ils jouent sur le deuxième levier, la représentation que vous avez. Qui derrière va enclencher ensuite tous les circuits, dopamine aussi possible, la dose. Alors l'endorphine, on en parle moins parce qu'elle est importante, mais l'endorphine, ça va être quand tu fais du sport, tu vois, quand tu fais du sport, quand tu vas, voilà. Donc après un long effort comme ça, ça va être après avoir bien mangé. Tiens, bizarrement, tous les repas, toutes les réunions présidentielles à travers le monde, il y a un repas. Ocytocine, apprendre à l'endorphine. Après l'orgasme. L'endorphine. Le rat. Le rat, l'endorphine, le rat, l'orgasme.
Ah oui, pardon. enfin voilà. Et on peut faire la même chose aussi sur tout ce qui est engagement humain, campagne électorale. Oui, nous avons coaché des politiciens aussi. Bon, un ou deux connus. Associatif, leadership, recrutement, cohésion d'équipe, tout ça, tout ce que vous avez appris, encore une fois, c'est valable, c'est toujours là, mais vous allez les amener à un autre niveau si vous mettez cette lecture derrière. Là, vous êtes des initiés BMO. Félicitations. Bravo. Bravo, vous êtes plaisir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ça vous intéresse, vous avez le droit de créer un espace initié sur notre plateforme BMO. Ça, vous pouvez vous contacter après. Il y a des ressources qui sont là, sur le cerveau, sur d'autres aspects, qui vous expliquent les spécialisations qu'on met en place, etc. Si ça vous intéresse, rapprochez-vous de Christophe et on pourrait faire une session juste pour vous. Si vous voulez à titre individuel, on peut en discuter aussi. Voici pour un coup, voilà. Donc c'était Seb, c'était Jeff. J'espère que vous avez passé un bon moment. Juste avant de vous quitter, quand même, juste avant de vous quitter, parce que Christophe, tout à l'heure, on parlait de quelque chose, il disait qu'ici à l'IRCE, ce qui était important, c'est de faire un pas de côté pour mieux comprendre les choses, peut-être voir les choses sous un autre angle. On a vu tout à l'heure qu'il y avait certaines choses qu'on arrivait à prédire 11 secondes à l'avance. Alors nous, on fait aussi mentalisme et magie, on arrive à prévoir bien avant. Et donc, du coup, le code de joueur à résidence 40151 030. Alors faites un petit pas de côté. J'espère qu'on vous a fait changer d'avis sur vos prises de décision aujourd'hui, c'est-à-dire que vous prendrez d'autres décisions à partir de aujourd'hui. Merci. Merci tout le monde. Merci à vous. Vous avez des questions? Oui. Ouais, c'est-à-dire. Alors, c'est ça, c'est-à-dire. Souvent, quand vous allez avoir un truc comme le disque, je ne sais pas ce qu'il y en a qui ont été formés au disque, donc c'est si on fait mis dans le rouge, le jaune, enfin, voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire immédiatement. Le profilage addictif, donc quand tu le sais, c'est 4 secondes. En 4 secondes, tu sais à qui tu as affaire en face, tu sais ce que tu vas devoir adopter comme comportement ou ne pas adopter, tu sais comment lui envoyer sa dopamine primaire ou sa dopamine motivationnelle. Il y a deux types de dopamine à prendre. Quand on est capable instantanément sur le terrain là, de dire ah, ce mec-là, c'est comme ça qu'il faut l'aborder, ou pas comme ça. Mais attention, on ne met pas les gens dans des cases. C'est-à-dire que, on parlait de profilage, ça dépend du contexte. Ouais. Vous n'êtes pas les mêmes au boulot, en famille, avec vos amis, c'est pas les mêmes au matin, tout le temps. Ça met sur les gens dans des cases. Non, c'est dans l'instant. Oui, complètement. Ce qu'on appelle, en fait, à travers ça, et c'est souvent un truc qu'on n'a pas dit là, mais ce que hier encore on appelait intuition, ben là tu vas y mettre des mots dessus. Tu vas comprendre ce que tu as fait intuition. Tu vas comprendre pourquoi avec lui ça marche et avec lui ça marche pas. Alors que tu fais la même chose, tu fais ce qu'il faut. Récemment, on a réglé un conflit de 6 ans de conflit entre un directeur commercial et le chef formateur des commerciaux. 6 ans de conflit parce qu'ils prenaient tous des décisions vachement intelligentes, mais ils ne se rendaient pas compte parce qu'ils n'avaient pas cette lecture-là. Que cette décision, elle venait casser la suivante, qui venait casser la première, mais pris comme ça, tu te dis, mais ouais, c'est génial ce qu'ils ont fait. Mais non, c'est pour ça que le contexte est important, et je reviens sur ce que vous avez dit, c'est-à-dire, sur le. Effectivement, en fonction du contexte, c'est pas la même chose, mais c'est un peu même l'inverse, c'est quelque chose qui peut générer du cortisol à un moment donné, peut au contraire être quelque chose de positif à un autre moment. Donc, ça, on peut vraiment passer, basculer d'un côté ou de l'autre, complètement. Question. Merci. Dopamine, ocytocine, apéro. Merci.